Voilà, bravo à eux, merci à Dito Limonde et merci aux enfants de Cervioni pour cette magnifique chanson en hommage aux victimes de la tragédie de Furiani. Donc comme je vous le disais, on va procéder au dépôt des gerbes et on va débuter avec celle du collectif des victimes du 5 mai. Merci, on va continuer avec les associations de supporters, les sociaux, Minenfoot, l'association Juventu Cervenica. Voilà, je vous invite à récupérer vos gerbes et à venir les déposer. Minenfoot, les sociaux. Allez, allez-y, la Juventu Cervenica. Ils ont chanté, déposent une gerbe.
Merci. On va appeler les différents clubs qui sont présents. J'ai vu qu'il y avait de nombreux clubs locaux, mais aussi des clubs italiens. Je pense au Torino notamment qui est présent. Donc on va demander à les personnes qui sont en train de venir déposer leur verbe. Merci à nos amis italiens qui ont une nouvelle fois accepté le déplacement de Turin notamment. C'est vrai que le club de Torino avait été affecté par une catastrophe dite de Superga, incarcérée. Donc nos amis italiens sont toujours présents. Et donc on les invite à venir déposer leur verre. Et également dans les clubs, je dis qu'il y a les Biosportives, les Célitives qui étaient présents également. Donc on va inviter les clubs à déposer. Donc, Benger aussi a noté qui est plusieurs du comité qui, comme le collectif du 5 mai, porte la mémoire de la tragédie du stade Eugène en Belgique. Là, il y a des germes également du FCLP, je crois, du SCORP. Là, on a un peu à lui poser. Merci à la dame du FCLP. Du Torino. Merci aux amis italiens. Il y a du futsal, il y a du SF. On va demander aux jeunes qui représentent le centre du sport et de la jeunesse de Corse, les élèves du Pôle Espoir Football, de venir déposer la gerbe du centre. Des représentants de la Sage Action, j'ai vu qu'il y avait une gerbe pour la Sage Action. Ils sont présents, voilà, on les inviter à venir déposer leur gerbe. La Sage Action. Bon, donc on va continuer. Merci quand même à la Sage Action d'avoir. Présent. On va demander à la Licorne de football avec son président.
Les JSF, les journalistes sportifs. Opération qui a été lourdement affectée par cette tragédie. De Radio Corse Fayence Amour. On va déposer la gerbe de la CA. Je crois que le président de la CA est arrivé. Demander au corps des pompiers. Notamment aux 10 de Corse, et je sais que l'ensemble des pompiers de Corse se joignent à ce dépôt. Radio France. Quelques gerbes qu'on n'avait pas repérées, qu'on va les déposer, celles qui n'ont pas été repérées avant de procéder au dépôt de gerbes des officiels, des maires et présidents des différentes assemblées. Donc ceux qui n'ont pas encore déposé leur gerbe, je vous invite à le faire maintenant. Et au moins, on n'a pas pu le quitter. Merci à eux. Tout Turquie là.
quelques groupes politiques également sont présents. Je vois le groupe écologiste du Sénat, il me semble avoir vu le groupe, quelques groupes également de l'Assemblée de Corse. On va les inviter à déposer leur chaire maintenant, s'ils le veulent bien. Avant de terminer avec les officiels, maire, président de l'Assemblée, préfet bien évidemment, et comme je le disais, les représentants du Sporting Club de Bastia, anciens et nouveaux. Le groupe Fabro Boulou-Insen, ensuite le groupe écologiste du Sénat également. Je vous entoure, Paris, du sénateur de Haute-Corse. Les dépôts de gerbes des officiels par le maire de Fouriagne, mairie de Fouriagne. Fouriagne qui a inauguré une plaque pour renommer l'année centrale de la mairie ce matin, Nicolas Mag. Monsieur le maire de Bastia. Président de la communauté d'agglomération de Bastia. Visite du maire de Bigouille. Au protocole, maire de Bigouille. Présidence de l'Assemblée de Corse. Et les députés de Haute-Corse qui sont présents et le député de Corse du Sud également. Monsieur Colombagne, à quoi vive ?
Romagne, Aquaville et Castellagne. Pour du sud, Lombagne, Haute-Corse, c'est Castellagne et l'agence de Savoie-Dire. Sénateur de Haute-Corse. L'Assemblée de Corse. Présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Aupertuis. Président de l'exécutif de Corse. Le président Gilles Simeone est accompagné de Claudia Michel et l'exécutif. Monsieur le préfet de Haute-Corse. Les anciens joueurs de l'effectif 92 du Sporting Étoile Club de Bastia qui se sont constitués en association hier, menés par le capitaine Antoine Diffray. Messieurs Gilles Salou, Piotr Rebska, Thierry Taberner, Mamadou Faye, Charles Bouge, Nico Rabat,
terminé, l'Académie des jeunes du Sporting, les dirigeants et joueurs du Sporting Club de Basse-Terre. Merci à tous. Avant de procéder à la bénédiction du mémorial dédié à la tragédie du 5C92. In nome di un padre e di un figliolo e di un Spirito Santo. Fratelli e sorelle, siamo riuniti insieme davanti a questo monumento e fermo memoria di donne e uomini che sono morti in questo accidente terribile su 5 maggio. Tutti avevano lavorato, sicuramente sofferto, e servo, e hanno servito l'altro, e hanno amato i sogni. E sapevo che tutto questo non può mica muore. Non siamo mica qui senza speranza. Ci lamentiamo di un Cristo Signore ha conosciuto l'angoscia, i soffrimenti e la morte all'interno della croce. E il suo amore è stato più forte che la morte. Oggi ci ritroviamo qui in Foriano. E ci ritroviamo per darci coraggio l'uni all'altro, in ciò che noi viviamo tutti i giorni e poi con tutti i ricordi di quelli che abbiamo conosciuto, e specialmente oggi, tutti i martiri di Sagrada Sposa di Parigi di Moriano. I nostri fratelli e sorelle si sono addormentati in la pace del Cristo. Confidiamo in oggi, come l'abbiamo fatto tutti questi anni, di poi alla morte, all'amore di Dio nostro Padre, la vera speranza di la vita eterna. Un giorno siamo da ritrovare in un lume di un nostro Dio. Recitiamo insieme la preghiera che noi abbiamo ricevuto dal Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, che non venga il tuo regno, che la sia fatta tua volontà in cielo come in terra. Dacci oggi un nostro pane ogni giorno, e rimettaci i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci espone mica alla tentazione, ma brancaci da un male.
Signore, conosco Dio, ti raccomandiamo tutti i nostri fratelli e nostre sorelle, che sono state chiamate vicino a te, dagli pace e lume in noi dovremmo, con tutti i viverenni, in i secoli di secoli. In nome di un padre e di un figlio e di un spirito santo. Fa misericordia di Dio, l'anime di nostri fratelli e di nostre sorelle che posano in pace. In nome del Padre, e di Dio e dello Spirito Santo. Avamo noi, da sempre più vi salve del cielo. Avant le dire, on va demander à la Josefa Guiceli, présidente du collectif. Aujourd'hui est une journée particulière, une journée du souvenir, une journée que l'on n'oubliera pas. Le drame de Fourianne de 1992 semble si loin, mais pourtant est pourtant si près. Cette tragédie a endeuillé notre île, mais elle a également endeuillé au-delà. Les blessures du passé cicatrisent. Elles cicatrisent lentement et laissent donc des traces. Et cette blessure pour le collectif des victimes du Samet 1992 a été une force. Ce collectif qui, dès le lendemain de la tragédie, a commencé à se battre et n'a jamais cessé de lutter. Rien n'a été facile et la douleur qui aurait pu nous dévorer a été une puissance envers tout. Elle nous a permis de puiser tout au fond de nous, de ne rien lâcher, de nous faire entendre pour toutes les victimes. Ce collectif est composé d'hommes et de femmes. Il représente toutes les personnes qui ont souffert dans leur chair et ou dans leur âme, mais également toutes les personnes qui souhaitent apporter leur pierre à cet édifice qu'est le travail de mémoire. Toutes les générations se côtoient, œuvrant pour un même but. À plusieurs, nous sommes plus forts et nous avons su apprivoiser notre douleur. Les derniers mois ont été particuliers. Une nouvelle étape a été franchie. Enfin, on ne jouera plus de match de football professionnel un 5 mai en France. Enfin, cette date est inscrite dans le marbre de la loi. Enfin, le 5 mai pourra être dédié pleinement au recueillement, à l'apaisement, au travail de mémoire, aux commémorations. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, par ceux qui ne renoncent jamais. Alors aujourd'hui, nous pouvons enfin rendre hommage sereinement à 19 hommes, femmes, parents, amis, proches. Nous pouvons rendre hommage à toutes les victimes, directes ou indirectes, et à toutes les familles, à toutes les personnes pour lesquelles cette journée du 5 mai 1992 a changé à jamais leur vie. Vous qui, ce jour du 5 mai, étiez présents pour la fête, la joie, le partage, la lumière ne s'éteindra jamais. Père et vous. Antoine Angéline, Guy Brunel, Marie-Pierre Campana, né Clément, André Castre, Alexandre Driot, Jean-Baptiste Dumas, Jean Ferrara, Antoine Gérogne, Thierry Jean-Pietre, Dominique Janone, Santa Grimaldi, Pierre-Jean Guidicelli, Cédric Lalia, Lucien Marzicano, Christian Mattei, Michel Mottier, Marilo Ottaviani Neguerrieri,
Patrick Rao, Michel Vivarelli. Il y a 30 ans, le soleil déclinait et l'ambiance montait.